Frédéric Vasseur, pour lui, l'écart est à moitié comblé avec Red Bull. Si vous comparez avec il y a un an, avec plus ou moins de 2 dixièmes, nous étions à 1 seconde 1 sur le duo de tête Jeddah et Bahreïn. Nous sommes aujourd'hui à 4, 5 dixièmes, 6 dixièmes maximum. Ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin. Mais dans tous les domaines, nous devons continuer à pousser, c'est sûr. L'aérodynamique, c'est toujours la clé. Nous avons les améliorations dans les tuyaux, mais je suis sûr que, comme tout le monde, le plus important n'est pas d'apporter des améliorations, c'est d'apporter des améliorations que vous pouvez exploiter sur la voiture. Et je pense que c'est là où l'année dernière, nous avons fait du bon travail. Ça signifie que nous sommes au point avec cette voiture et ce règlement, et que vous avez une sorte de convergence des performances. Ah, et convergence des performances, pour la tête de course, je la vois pas trop, moi, encore une fois, désolé, hein. Moi, je vois une équipe Red Bull qui converge vers la tête de course, mais qui laisse les autres derrière. Alors, en même temps, oui, ils disent on a comblé la moitié d'écart, mais il y avait tellement d'écart, il y avait plus d'une seconde au tour. Enfin, c'est délirant, quoi. C'est pas non plus une bonne nouvelle, une super nouvelle, hein. S'ils avaient comblé les trois quarts de l'écart, il n'y aurait plus que 2-3 dixièmes. Encore, je dis pas, mais il reste encore à 5 dixièmes, 6 dixièmes. C'est trop. C'est beaucoup trop sur une course. Après, on voit qu'en plus, ils ne roulent pas forcément à fond, Verstappen. Ils pourraient attaquer plus s'ils voulaient. C'est ça qui est inquiétant en plus, hein. Bon, bref, ils vont tous amener des évos, mais Red Bull aussi. C'est ça qui est le plus inquiétant aussi. Donc, ouais, moi, je pense qu'honnêtement, ils peuvent tout gagner, hein, cette saison Red Bull. Peut-être hormis Singapour, il y aura peut-être encore une course ou deux sous la pluie qui pourrait mal tourner pour Red Bull. Je sais pas, genre à Monaco où ils vont peut-être pas la pole et du coup ce sera un peu plus compliqué, mais je sais pas, ça va être une hégémonie Red Bull encore cette saison, malheureusement. Ils ont pas assez bien bossé tous ces concurrents là. C'est dommage. Allez, ciao.